Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue Fabio, ravi de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas oublié, hein. Rassurez-vous, mais que je vous avais un petit peu laissé dans l'attente. J'ai fait deux, trois petites choses de mon côté, alors notamment la peinture, je vais vous montrer ça. Quelques petits arrangements, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ici sur les grilles. Voilà, les grilles d'aération moteur. Alors j'ai viré hein, tout ce qui était plastique et j'ai remplacé par du. Vous voyez, hein, du mesh en métal, voilà, de la grille, voilà, tout simplement. Je trouve que ça fait quand même vachement plus sympa. Alors bon, c'est pas exactement comme dans la réalité, parce que si on veut faire comme dans la réalité, il faudrait que la grille. Attendez le focus. Hop. Bon, on va rester. Hop, voilà. Il faudrait que la grille arrive au ras du plastique là. Vous voyez, sauf que là, je l'ai collé par derrière. Bon, tant pis. Hein. On fait, j'ai envie de dire, on fait comme on peut. On peut pas faire non plus de miracle. Là, ça serait trop de boulot. Il aurait fallu couper chaque petit rectangle à exactement la même dimension ici que de l'encoche. Placer la grille au ras, ça aurait été compliqué. Puis je pense qu'avec la colle, on aurait fait quand même un peu de dégâts. Ça aurait été visible. Donc des fois, vaut mieux ne pas trop bien faire et faire bien. Voilà. Donc collé par derrière et ça fait un bel effet. Voilà, je vous montre comme ça, vous voyez. La petite grille d'aération. Alors elle est où l'autre? Elle est là. Bon, regardez. Ceci, je l'ai terminé hier. Donc j'ai mis les petites pinces le temps que la colle prenne. Tac, applicable. Tac. Je vais vous montrer après ce que j'ai utilisé comme mèche. Qu'est-ce que c'est la grille? Tac. Vous voyez, boum, voilà. J'ai collé une grande grille derrière. Et c'est pas compliqué, vous voyez, c'est un petit travail tout simple. Ah, tout simple. Il m'a fallu quand même retirer tout le plastoc là. Alors j'ai utilisé une petite mèche. Ah mais là, bien sûr, elle n'est pas dessus. Alors, vous voyez, j'ai ma petite Dremel là, toc toc toc. J'ai mis une toute micro mèche dessus. J'ai fait la technique eh ben, de faire plein de petits trous. Hein. J'ai fait des petits trous tout le long, tout le long, tout le long vers au-dessus là, par exemple. Et puis des petits trous tout le long là du bas comme ça. Puis bah une fois qu'on a fait le tour, on a juste à pousser et toute la partie centrale là, de plastique, bah, s'en va hein, tout simplement. C'est pas compliqué. Ensuite, bien sûr, il faut venir gratter au ras, poncer pour faire quelque chose de propre. Voilà. Et ça donne ça. Donc les deux capots latéraux, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Habillés de leur mèche. Le mèche, c'est ça. Alors ça, j'ai ça depuis un bon moment. Je ne sais pas si ça existe encore sur le net. Je vous l'avais déjà présenté, c'est ma quête. Alors ici, vous avez le code barre, vous avez toutes les refs. Vous faites une pause sur la vidéo si vous voulez aller retrouver ça sur Internet. Moi, on m'avait offert ça. High Quality, Made in Netherlands. On m'avait offert ça. Alors voilà. Allez voir, c'est sur voilà, ma quête, profil and sheet. Voilà, vous avez tous les renseignements ici à l'écran. Tapez ça et vous verrez. Et c'est ça. Alors vous avez plusieurs trames, plusieurs diamètres, à vous de choisir. Par contre, c'est quand même relativement épais et relativement rigide, donc à n'utiliser que dans certaines circonstances. Ça n'ira pas dans tous les cas de figure, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vous montre. Ah oui, ben oui. Qu'est-ce que c'est que ça, cette couleur bleue? Finalement, j'ai peint en bleu. Voilà, exit le rouge. J'avais une bombe de peinture sous la main. J'avais pas envie de sortir l'aérographe. J'avais envie de faire ça à la bombe. Et j'avais ça, du TS54. Donc, c'est-à-dire du TS54, du Light Metallic Blue. Une très belle couleur. Et puis, qui, ma foi, lui va très bien à cette Mercedes 500K. De toute façon, je pense que toutes les couleurs lui vont bien à cette bagnole. Alors, vous voyez ici, là-bas, toutes les pièces. Voilà, sont peintes. Toutes les pièces de carreau et je vais vous montrer le body. Tac, voilà. Là, le body. Il y a une belle peinture à la bombe, bien brillante. Alors, on a un beau rendu de peinture ici pour appliquer le vernis. Ça va être nickel. Alors, j'ai quelques petites griffures ici. Vous voyez, ça, c'est malgré la couche d'après, j'ai pas vu. Mais il y avait des petites griffures de ponçage, quoi. Bon, voilà. Pourquoi? Comme quoi, il faut être vigilant, il faut vraiment scruter toute la carreau pour être vraiment sûr, voilà, qu'il ne reste pas
de petites merdouilles là comme ici. Bon, après tu me diras avec le vernis qui va être par-dessus, ça sera amoindri. Voilà, là je vais pas m'amuser à poncer, à remettre de la peinture parce que je pense que ça sera pire, on verra encore plus la trace du ponçage. Voilà. Donc devant, au niveau de mon petit, ben, c'est pas trop mal. On voit encore, vous voyez ici au centre, un petit bidule là. Bon. Mais franchement, ça passe. On voit encore un petit peu. Pareil, encore une fois, je pense qu'avec le vernis, ça va venir atténuer. Bon. C'est pas évident de colmater au petit, de faire des beaux raccords. Souvent, on pense qu'on est bon quand on passe l'après. On se dit, ouais, c'est cool, on ne voit plus rien. Mais dès qu'on passe la peinture, blam, tout réapparaît. Voilà. Bon, après, hein, bon, il ne faut pas non plus se faire des nœuds dans la tête. On avance. Il faut toujours des petits défauts dans nos modèles. Hein. Excuse, j'ai mis le doigt devant le capteur. Paf. Donc ça, et bah, toutes les pièces sont peintes. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, bah, c'est de poursuivre. Le comment la mise en peinture de la banquette. Alors, je vous cache pas qu'au départ, j'étais parti sur le code couleur que nous proposait l'air, c'est-à-dire du beige. Et puis ni plus ni moins. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout peint en beige, ni plus ni moins. J'ai peint ici au pinceau en noir, ni plus ni moins, comme on nous l'indique dans la notice. Et puis bah voilà, il faut bien reconnaître que c'était quand même un petit peu plat. C'était quand même un peu plat. Donc bon, j'ai sorti les peintures focus pour donner un petit peu d'aspect. Aspect un petit peu de relief quoi à cette banquette hein, de créer des ombres, des lumières, donner un petit peu de vie. Donc là, la première étape a été réalisée. Des peintures focus pour ceux qui débarquent, qui ne connaissent pas. Donc, vous trouverez ça sur le site Gravity. Ce sont des peintures. C'est une gamme de peintures qui a été conçue pour les intérieurs de voitures. Voilà. Si vous voulez donner un petit peu de relief, un petit peu plus de vie à vos intérieurs, c'est bah, on utilise la technique des ombres, des lumières et puis de la peinture de base, tout simplement. Voilà pourquoi c'est comment ces boîtes de peinture sont vendues avec trois teintes. Trois teintes, donc vous aurez les shading, c'est-à-dire les ombres, vous aurez les lightning, si on peut dire ça, lightning, enfin les light, voilà, light, les lumières et la peinture de base. Voilà. Light cream. Ça, c'est la peinture de base. Donc, comment on procède? On commence par appliquer les lumières. Voilà, sur la pièce. Ici, vous voyez. Hein, tout ce qui est censé être exposé à la lumière recouvert de la peinture light. Toc. Ensuite, il va falloir passer. Non. Pourquoi c'est le light ça? Light cream. Non, ah non, c'est la couleur light cream. Là, on est sur du shade. Voilà, là, les ombres. Et ici, sur celle-ci, c'était écrit light. On ne peut pas se tromper. En plus, on a la petite cible ici. Focus, clic-clac, vous voyez, sur les lights. Si vous prenez l'autre bouteille, vous avez le petit truc, voilà, sur les ombres. Boum. Donc là, maintenant, on va passer cette peinture-là dans tout ce qui est ombre, c'est-à-dire là, vous voyez, tout ce qui est creux. Hein. On va essayer d'en passer ici au centre, là, dans le bas des banquettes. On va essayer d'en passer par là, ici. Et puis voilà. En fait, le but de ces. Enfin, comment utiliser ces trois peintures? Il y a une règle qui est très simple. Vous voyez ici, on a les hautes lumières en haut. Là, dans le creux, on va passer les ombres. Et puis, bah, entre les ombres et les lumières, au milieu, on va passer la peinture de base. Voilà. En essayant de déborder sur les ombres et en essayant de déborder sur les ombres et en essayant de déborder sur les hautes lumières pour confondre les trois teintes. Voilà. Pour les confondre, enfin, pour les mélanger, quoi. Voilà. Donc ici c'est pareil, on va passer de l'ombre sur le côté, de l'ombre ici. Vous voyez, là j'ai mis des hautes lumières. Donc là, de l'ombre au-dessus et au milieu, on passera de la base coat, enfin la peinture de base quoi. Voilà. Tac. Ok. Donc je sors l'aérographe, je prépare les shades et puis j'essaye de faire ça avec vous, mais ça va pas être facile avec l'écran devant parce qu'il faut vraiment cibler là. Il faut cibler entre les coussins. À mon avis, ça ne va pas être jojo, mais bon. Après, même si ce n'est pas jojo, on peut toujours rattraper avec la peinture de base et de recouvrir et puis essayer d'estomper un petit peu les défauts, quoi. Allez, let's go. Alors, voilà, je vais élargir le champ de vision.
J'espère que le focus sera de la partie. Je vais peut-être reculer un petit chouïa comme ça. L'image n'a pas l'air trop dégueulasse. Vous m'en direz ce que vous en pensez. Là, je suis en train de me battre avec le petit bouchon. Tac, voilà. Alors, ça, c'est vrai que c'est un petit peu chiant à retirer ces bouchons de ces pots-là de focus. Mais par contre, c'est très bien parce que ça garde une très bonne étanchéité et la peinture ne sèche point. Est-ce que j'ai bien secoué? Pas du tout. Donc, pensez bien. Voilà. À secouer votre peinture, hein, comme d'habitude. Une petite bille là-dedans. On attend. On l'entend qui claque. Alors donc pensez bien à secouer pour bien mélanger les pigments, bien sûr. Et pour éviter de vous retrouver avec que du diluant. Parce que le diluant, lui, va se rester en hauteur et les pigments vont se foutre dans le fond. Hein. Donc si vous ne secouez pas et vous versez directement, vous allez vous retrouver qu'avec du thinner, du diluant. Là, je vais poser ça parce que je suis en train de. Hop, 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 hop. Mais quel maladroit, Pierre Richard de la maquette. Hein. Vous voyez pas, mais j'en ai beaucoup foutu. Voilà, sur le godet. Celui-là, il ramasse à chaque fois. Les aérographes ont la vie dure chez moi. Donc, du moment que ça tombe pas sur le modèle, c'est principal. On va refermer ça tout de suite. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais faire. Je voulais poser mon aéro. Toujours nettoyer ces pots là. Autrement, vous allez être embêté par la suite. Ça va coller, ça va sécher. Voilà, toujours bien nettoyer le pas de vis. Et on referme tout ça. Alors, par contre, vous allez vous en mettre plein les paluches. Hein. Je vous le dis, si vous n'aimez pas avoir de la peinture sur les paluches, prenez des gants. Et ça, c'est inévitable. Sans gants, vous en aurez plein les doigts. Donc, on va quand même mettre ça très loin derrière. Tant qu'on y pense, parce que une fois que c'est parti dans la peinture, c'est trop tard. Alors, je vais réduire le débit de peinture, bien sûr. Il faut attendre un petit peu, ça va arriver. Alors, par contre, là, ça va peut-être pas être le bon angle. On va se mettre comme ça. Gardons. Je pense que là, ça peut être pas trop mal. Donc, quand tu veux, hein. J'ai l'impression qu'il devait rester. Voilà, il va rester un petit peu de produit nettoyant dans le godet. Donc ça, c'est bien trop fort. Alors, un petit test. Voilà, vous voyez, il faut que j'y aille en trait comme ça. Voilà, et ça, il va falloir faire. Ici, entre chaque coussinet, quoi. Alors c'est parti, je commence en plan large, hein, de loin, et puis s'il faut, je mettrai un petit zoom. Alors, hop. Alors, attention, la peinture est assez liquide, alors faut pas trop s'éterniser sur la même zone. Hein. Vous voyez, je balaye. De même de l'autre côté. Voilà, vous voyez. Alors on peut descendre un petit peu, c'est-à-dire là sur le haut des coussinets. Très légèrement, un espèce de petit dégradé d'ombre. On va passer sur le bas. Alors, je vais essayer de zoomer. Regardez-moi ça, si c'est pas nickel là, ce téléphone là. Vous
Alors là, idem, on va remonter. Pas que ça fasse une ombre trop nette. Hein. Ciblé ici entre les deux sièges. Alors, parfois on check un peu sur sa main ou sur l'ongle pour voir s'il y a encore de la peinture qui sort. Parce que bien souvent la buse, là, enfin l'aiguille là, se colmate. Attendez, j'ai l'impression que mon aiguille ne ressort pas des masses. Si, c'est bon. C'est bon. Toc. Voilà, je vous le dis, mais souvent la peinture s'accumule ici sur l'aiguille. Là, c'est pas le cas, vous voyez qu'elle est encore propre. Voilà. On poursuit. Alors ça va être une vidéo peut-être un petit peu longue, hein, désolé. Alors, on fait un test ici. Ouais, vous voyez, il n'y a plus grand-chose. Je vais ouvrir un peu le débit de peinture. Encore un petit peu. Alors plus vous allez ouvrir le débit de peinture, plus il faudra être précis sur sur votre visée. Hein, parce que là, vous allez envoyer, bien sûr, beaucoup plus de peinture. Donc si vous visez à côté, ça va se voir tout de suite. Hein. Si vous n'envoyez que très peu de peinture, vous pouvez toujours corriger le tir, la direction. Si vous êtes à côté de la cible. J'espère que vous voyez bien où je dépose la peinture. Là, je vais passer ici. Bon, les côtés, on les verra pas. Hein. Vous voyez ici, on a des petits points bleus là. Vous inquiétez pas, ça sera caché dans la coque, hein, de la voiture. Mais bon, je le fais quand même. Donc là, j'ai dit ici. On va augmenter un peu le débit. On va y un peu plus. Là. Là, voilà. Là, je vois que mon aéro ne crache plus vraiment. Je pense que... On va nettoyer un petit peu l'aiguille. Ah, ça va mieux, vous voyez, ça sort un peu mieux. Ça prend du temps à faire ce petit job de peinture. Hein. Et le résultat en vaut la chandelle.
Il y a toujours quelque chose de bien sympa à regarder. J'ai voulu tenter que le beige uni, mais franchement, ouais, c'est pas jojo. Voilà, donc là, on va descendre ici entre les deux sièges. Ça me paraît pas trop mal. Je réduis le débit. Et là, ça va être très chaud patate parce que je voudrais passer entre chaque petit machin là. Et là, ça va être rock and roll. Là, le risque, ouais, c'est de recouvrir toutes les hautes lumières en fait. On pourra toujours repasser un petit coup après. Des hautes lumières. Ça va donner un petit effet vieux cuir. C'est pas... Voilà. On va passer aussi un petit coup d'œil derrière. Ok, bah voilà, vu comme ça me paraît pas trop mal. Maintenant, on va tout uniformiser avec la peinture de base. Alors, je vous montre de plus près quand même. Voilà, vous voyez. Bon, ça paraît pas jojo comme ça. Ça a déjà un petit peu d'allure. Hein, déjà, on est déjà plus sur un espèce de cuir un peu vieilli. Mais vous allez voir qu'une fois qu'on va mettre la peinture de base, ça sera beaucoup mieux. Alors, j'aurais peut-être pu laisser, ouais, peut-être plus de lumière ici, là, sur ces parties-là, là, des sièges, et ici aussi en bas. Bon. Allez, on passe à la peinture de base. Ok. Donc, la peinture est dans l'aérographe, c'est celle-ci. Hein. Vous voyez bien ici la cible focus au centre de la couleur, puisque c'est la peinture de base, c'est la couleur de base. Et donc là, on va... Hop, je dézoome un petit peu. Déjà dans un premier temps, alors bon, là déjà on va réduire un petit peu, parce qu'on ne va pas envoyer non plus trop de peinture. Il ne faut pas recouvrir tout le travail qu'on a déjà fait. Il faut vraiment y aller en petite couche voilà, en transparence. Donc, on va déjà commencer par passer cette couleur. Voilà. On fait une boulette. Ça c'est quand tu ne mets pas le capot, là, le couvercle. Là. On renverse. Hop. On va déjà passer entre les lumières et les ombres. Alors, voyez ici, je vais passer juste ici. Là j'ai la lumière et en dessous j'ai l'ombre. Hop là. Voilà.
Voilà, je fais la même chose ici en bas, là, vous voyez, lumière, ombre, je passe au centre, je zoome, toc. Donc là, je peux bien sûr ensuite passer ma peinture de base sur mes hautes lumières, ça ne va pas laisser blanc, mais alors on voit le très fin. Voilà, pour adoucir un peu. Voilà. Le but du jeu, c'est de ne pas recouvrir toute la pièce de la couleur de base. Hein. Il faut garder en transparence hein, les ombres et les lumières qu'on en a déposées tout à l'heure. Je passe sur les petits coussinets du bas. Là, ici, là. Pas mal. Ok. Désolé, je dois sortir du cadre de temps en temps. Pas mal, hein. J'aime bien cet effet vieux cuir là.
dans le cadre, je suis vraiment désolé. En plus, j'ai juste à faire ça. Tac. Veuillez vraiment m'excuser. Ok. Bon, bah, je crois que point d'info là. On va pas être mal là, encore un petit peu là. Ok, ben voilà, on va s'arrêter ici. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Je vous change d'angle, je vous montre comme ça. Vous voyez, on a bien les volumes, c'est sympa. Bon, j'aurais dû faire une photo d'avant, avant-après. Quand on n'a que du beige uni et quand on a un petit jeu d'ombre. Voilà, c'est sympa. Donc on peut se faire un petit test dans la voiture. Alors j'en profite également pour vous montrer le châssis. Donc lui qui a été peint en noir, j'ai fait un petit effet moquette, mais bon, c'est bien, ça fait moquette ancienne, mais moi j'aurais préféré mieux que ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le flocage qu'il y a eu. Alors attendez, zoom. Zoom, voilà. Le flocage a eu du mal à adhérer sur la peinture, ça fait bizarre, je sais pas. Bon, enfin en même temps, ça fait vieille moquette. Bon là, faut pas regarder hein, sur les bords, il faudrait que je nettoie. Que je gratouille, faire un peu plus propre, mais bon, en tout cas, il y a une petite moquette. Donc, je repasse en plan large et on va se faire un petit test là. Voilà, dans la alors, vous voyez que la peinture sèche très vite. Enfin, attention, il faut pas non plus y aller avec les gros doigts. Vous voyez, j'y vais tout doucement. Donc, ça sera à repeindre en noir, bien sûr. Je suis plus du tout hors cadre. Et regarde ton écran. Voilà. Donc, ici, l'arrière là sera à repeindre en noir et. Bim, 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 bim. Ça nous donnera un truc comme ça, voilà, dans le genre comme ça. Quand même pas mal. La petite moquette, finalement, bon, elle n'est pas du même ton, c'est une moquette foncée, mais ça, je trouve que ça jure pas. Ça le fait. Toc. Alors, j'espère que les sièges sont bien positionnés. Non, ils sont un petit peu plus comme ça. Voilà. On peut tester avec les portières. Mais bon, franchement, c'est un joli modèle que nous propose LR. J'ai fait un test à blanc, on ne devrait pas avoir de problème jusqu'à la fin du montage. Bon, il y a deux, trois petites choses que j'aurais pu faire mieux. Je vous expliquerai en temps et en heure. J'ai l'impression quand même là que mes ombres sont limite, limite. Hein. Vous voyez que j'aurais peut-être un peu plus, j'aurais peut-être pu un peu plus forcer sur les ombres. J'aurais peut-être pu forcer un peu plus sur les ombres. Alors, comme d'habitude, j'essaye de me dépatouiller en essayant de tout maintenir. Mais bon, tac. Vous allez voir qu'une fois que tout sera assemblé, là, donc il y a les contre-portes également à faire de la même façon. Si j'arrive, l'ajustement est bon. Donc là, on aura tout un travail à faire de chromage hein, sur les baguettes, sur les gonds. Voilà. Non, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Donc, juste pour. Hop, je vais vous sortir une contre-porte. Oh, désolé, je fais des tests. Peut-être que ça ne vous intéresse pas du tout. Alors, moi, j'ai décidé de chanter le guide de vitre, puisque je vais la faire complètement ouverte, sans... Enfin, la capote, on pourra toujours la mettre, mais sans vitre. Je ne veux pas mettre les vitres latérales.
Voilà, je trouvais que les trucs étaient un petit peu trop épais, là, les cadres de vitres. Donc j'ai vu quelques photos sur internet où on ne voit pas du tout les cadres de vitres. Donc j'ai décidé de les chanter. Par contre, là, il va falloir que je remette du bleu ici. Voilà, sur la baguette du dessus. Vous voyez, parce que j'ai peint l'intérieur là, et puis j'ai pas protégé le dessus, là, mais là, ça doit être bleu, comme la carrosserie. Donc normalement. Bien sûr, il y a tout le travail à faire sur la contreporte. Hein. Tac, voilà. Donc on fera, je ferai exactement le même travail. Ça, je vais le faire hors caméra, bien sûr. Je vous ai montré les premières étapes. Ici, ça, je vais m'en occuper hors caméra. Là, vous pouvez déjà voir les premiers travaux de lumière que j'ai effectués, hein, c'est-à-dire poser les lights, les lumières. Et ensuite, même process, là, je vais appliquer les ombres et la couleur de base. Voilà. Et devant, donc le tableau de bord. Le tableau de bord, alors lui, j'ai utilisé le code couleur que propose LR, mais franchement, là, on ne va pas du tout être d'accord avec le reste. Donc ça, il va falloir que je le repeigne avec la couleur de base. Tac. Ça va venir se mettre comme ça. Alors là, pour pouvoir faire tenir tout comme je veux, ça va être impossible. Puis ça ne va pas faire avancer le public. Enfin bon, bref, voilà. Petit aperçu, vite fait. Ah ouais, c'est pas beau, c'est pas bien posé. Mais bon, vous allez voir qu'au final, on aura quand même une très belle petite Mercedes 504. Si regardez, ces sièges, ils sont jolis. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. 37 minutes. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas les peintures Focus de chez Gravity, ben voilà, maintenant vous. Là, j'ai pas nettoyé mon goulot. Maintenant, bon, je vais faire ça après. Maintenant, vous les connaissez. Là, vous allez sur le site Gravity, vous allez voir, vous avez toute une panoplie de teintes, hein, suivant le modèle que vous voulez, suivant la teinte que vous voulez appliquer dans votre modèle. Vous avez des commandes des teintes pour les intérieurs, pour les sièges, les contreportes, mais vous avez aussi des teintes texturées pour faire les tapis, les moquettes, hein, sur le fond des châssis. Voilà, je vous laisse aller voir ce site gravity-color.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Et puis voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit pouce d'encouragement, c'est juste très utile pour la chaîne. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, les petits pouces, ça fait plaisir. Allez les amis, je vous dis tchuss et à la prochaine. Allez tchuss!